avant de le créer, en 2005, on avait monté un tremplin sur la région. Mais c'était un tremplin scène ouverte, en extérieur, avec des groupes, mais il y avait un peu de tout. Il y avait du pop, il y avait du reggae, il y avait un peu de blues aussi. Après, on s'est dit, ce qui nous rassemblait en musique avec André, c'était le blues, c'est ce qu'on aimait le plus. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un festival, puisqu'il n'y en a pas beaucoup dans la région. Alors, on n'a pas la prétention de faire découvrir le blues, parce que les gens le connaissent le mot. On a la chance actuellement de pouvoir surfer sur une vague qui existe. C'est-à-dire que toutes les publicités qui sont faites, c'est des riffs de blues, c'est de la soul. La preuve en est, c'est qu'il y a un groupe qui marche très bien, qui fait de l'électro, qui s'appelle C2C, et leur intro, c'est une intro de musique blues. Je pense que nous avons aussi un effet de surprise au fil des années, c'est-à-dire que la première année, il est vrai qu'il y avait plus de bénévoles que de spectateurs, et puis petit à petit, au bout de la 6e édition, on a senti vraiment le boom. Les gens sont arrivés de partout, parce que le bouche à oreille a fonctionné, mais c'est vrai que vous avez raison que dans la région, c'était pas facile, c'est une région de rock, et nous avons essayé d'amener du blues, et ça marche. Donc ce qu'on appelait les bars en blues, alors on n'a rien inventé, hein, parce que ça existe déjà sur des grands festivals, même à Rennes avec les transmusicales qui ont des bars aussi en trance. Donc on s'est inspiré un petit peu de la même chose en se disant pourquoi pas le faire, et peut-être aussi amener à découvrir les gens en se disant je sais pas ce que c'est gratuit, c'est des bars. Comme il y a l'événement, le concert le soir, il y a déjà du public qui se déplace, un petit peu de partout d'ailleurs, hein, parce que là on a des gens qui sont arrivés d'Angoulême, de Bordeaux, de Cognac, Poitiers, Nîmes, Marseille, enfin d'Espagne, on a des Espagnols qui sont là aussi, Luxembourg. Et donc en fait c'est rigolo, c'est qu'ils profitent de ça, et c'est que dans les bars, ils ne jouent pas devant 10 personnes, là il y a vraiment du monde, là si on va dans le centre, il y a du monde. Ah bah alors la thématique, c'est Chicago cette année. Alors on n'a pas de thématique habituellement. C'est un petit peu, l'année dernière, on était parti un peu sur le Québec et le Canada. Là, ça s'est fait un petit peu comme ça. Donc on est parti sur Chicago. C'est-à-dire qu'au départ, c'est vrai que c'est un festival de blues, mais il faut savoir que c'est un festival de blues. Alors le mot peut effrayer des fois, c'est afro-américain. C'est-à-dire que ça va aussi bien que le rhythm and blues, la soul, le funk, le cajun, l'aisé déco. Ce qu'on n'a pas encore fait. Mais on réfléchit, on s'y prépare. C'est très vaste. Hein. C'est très vaste. Ah oui, voilà. Non, c'est très vaste. C'est pour ça que le blues, c'est vraiment, ça se développe sur plein de choses. Le blues, c'est festif. D'ailleurs, on a écouté tout à l'heure, vous avez eu l'occasion d'écouter un petit peu la balance de Juicy Brooks, qui eux sont un groupe aussi de Chicago, mais plus sur une soul un peu moderne. C'est-à-dire que c'est des Otis Redding, mais version années 2000. Et c'est-à-dire que si Otis Redding est encore là, je pense qu'il ferait la même chose et peut-être, voilà. Premier groupe, c'est Jimmy Johnson, donc vraiment une légende du blues, il a 84 ans. Il tourne énormément aux États-Unis, donc chez nous en France, ça va être sa deuxième date, je crois, ou sa première date cette année, donc c'est vraiment une chance. Et puis... Un mot tout simple, c'est qu'il faut s'imaginer que ce soir à Bonne-Bretagne, il y a quand même trois groupes américains, donc c'est de la musique US qui va être là, bon, avec Nico du Portal hein, et Mama's Biscuit, mais voilà, et pour une somme de 16 euros, je trouve que ça vaut quand même le coup de se déplacer.